Salut les morts, comment ça va? Ce soir dans Lost Levels, on va parler histoire de zombies, car les zombies sont nos amis. Enfin, sauf quand ils veulent nous bouffer la cervelle, hein, comme dans Walking Dead. Vous connaissez sûrement le comic book, la série télé, mais est-ce que vous connaissez l'excellent jeu vidéo Walking Dead? Alors, Walking Dead est un point and click épisodique développé et édité par le studio Telltale, réputé dans ce registre. Les 5 épisodes sont sortis sur PlayStation 3, Xbox 360 et ordinateur durant l'année 2012 et ont marqué de nombreux joueurs grâce à leur qualité d'écriture. Le titre a d'ailleurs été récompensé par le prix du jeu de l'année aux Video Games Awards de 2012. Et ce ne sont même pas les zombies qui ont voté, hein. L'histoire nous met dans la peau d'un vivant, pour changer. On incarne donc Lee, un professeur accusé de meurtre qui échappe à la prison grâce à l'invasion des zombies. Bah ouais, on est des mecs cool, nous, hein. Quoique, est-ce que c'est vraiment cool de sauver un meurtrier de la prison? Enfin bref, toujours est-il que Lee rencontre Clémentine, une petite fille dont la nounou a été zombifiée et dont il va vouloir s'occuper. Le but est donc d'essayer de survivre dans ce monde post-apocalyptique légèrement hostile, où les émotions sont exacerbées et les relations humaines sont plus tendues. Bah ouais, là-bas, quand tu voles une barre chocolatée, tu mets carrément tes potes en danger de mort, hein. Ils sont susceptibles quand même, ces vivants. Fréquemment, Walking Dead nous met face à de véritables dilemmes moraux qui ont de quoi angoisser les joueurs vivants du genre « Tu préfères sauver le mec sympa ou la meuf mignonne sachant que l'un des deux va mourir ?» Et ouais, la vie, c'est aussi faire des choix. Moi, je m'en fiche parce que je suis déjà mort, en fait. En tout cas, je ne peux que vous conseiller ce jeu rien que pour sa fin qui m'a tellement fait pleurer. Bah ouais, c'est pas parce que je suis un zombie que j'ai pas de cœur. Ouais, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas de bien fermer la porte de votre chambre. On ne sait jamais après tout. Bonne nuit et évitez le game over. Salut les morts, comment ça va? Ce soir dans Lost Levels, on va parler histoire de zombies, car les zombies sont nos amis. Enfin, sauf quand ils veulent nous bouffer la cervelle, hein, comme dans Walking Dead. Vous connaissez sûrement le comic book, la série télé, mais est-ce que vous connaissez l'excellent jeu vidéo Walking Dead? Alors, Walking Dead est un point and click épisodique développé et édité par le studio Telltale, réputé dans ce registre. Les 5 épisodes sont sortis sur PlayStation 3, Xbox 360 et ordinateur durant l'année 2012 et ont marqué de nombreux joueurs grâce à leur qualité d'écriture. Le titre a d'ailleurs été récompensé par le prix du jeu de l'année aux Video Games Awards de 2012. Et ce ne sont même pas les zombies qui ont voté, hein. L'histoire nous met dans la peau d'un vivant, pour changer. On incarne donc Lee, un professeur accusé de meurtre qui échappe à la prison grâce à l'invasion des zombies. Bah ouais, on est des mecs cool, nous, hein. Quoique, est-ce que c'est vraiment cool de sauver un meurtrier de la prison? Enfin bref, toujours est-il que Lee rencontre Clémentine, une petite fille dont la nounou a été zombifiée et dont il va vouloir s'occuper. Le but est donc d'essayer de survivre dans ce monde post-apocalyptique légèrement hostile, où les émotions sont exacerbées et les relations humaines sont plus tendues. Bah ouais, là-bas, quand tu voles une barre chocolatée, tu mets carrément tes potes en danger de mort, hein. Ils sont susceptibles quand même, ces vivants. Fréquemment, Walking Dead nous met face à de véritables dilemmes moraux qui ont de quoi angoisser les joueurs vivants du genre « Tu préfères sauver le mec sympa ou... ?»